Bonjour YouTube, bonjour les amis de Précis, bonjour Mélilos, bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Et tu sais déjà pour moi ce qui est important c'est de me lever le matin et le reste, I don't give a F. Ok, so je reviens avec une nouvelle vidéo où on va parler de la lotion Kojic Clair, mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour vos abonnements. Merci pour les partages. Merci pour les likes. Ça va droit au cœur. Si c'est pour la première fois que tu vas me regarder, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter. Alors, aujourd'hui, on va parler de la lotion Kojic Clair aux extraits de papaye, qui est une lotion blanchissante. Et si tu n'as pas encore trouvé une lotion, cette fois-ci, c'est ta chance. Ok? Une lotion blanchissante, hydratante au même moment. Une lotion qui contient du kojic, une lotion qui contient des extraits de papaye, une lotion qui contient la vitamine E et la vitamine C. Une lotion qui fait 3 en 1. Une lotion vraiment éclaircissante, ok. Et pour voici la lotion whitening, quoi? Whitening lotion papaya, ok. 3 ondes, c'est éclaircissant et hydratant au même moment. Action immédiate, ok. Action immédiate. Ça donne, ça unifie le teint, ok? Ça unifie le teint. Et comme j'ai dit, ça contient les extraits de papaye, la vitamine E et la vitamine C. C'est 400 ml. Une lotion qui sent très bon et très doux, ok? Une lotion, même au toucher, vous sentez que c'est vraiment la qualité, ok? Vous sentez que c'est vraiment la qualité. Alors, ça vient avec son sérum, ça vient avec son savon, ok? Et pour les gens qui vont tenir à acheter cette lotion, allez-y sur ma page, La Cuisine de Louise, envoyez-moi un message inbox, je vais vous envoyer le lien pour acheter cette lotion, ok? Pour acheter cette lotion. Bon, je ne sais pas si la personne expédie à l'étranger, je ne sais pas, mais pour les gens qui sont aux États-Unis, au Canada, je crois que c'est possible. Mais après, Europe, je ne suis pas trop sûre. Donc, contactez-moi sur le Messenger de La Cuisine de Louise, ok? La Cuisine de Louise, ou bien sur mon Instagram, Pris Louise. Je vais vous envoyer le lien pour acheter cette lotion, ok? Une lotion qui sent très bon, une lotion qui est très doux. Ça vient avec son sérum. Si vous voulez plus de teinte, vous activez avec son sérum. Et j'avais vu que la lotion en question a aussi un tube. Mais je n'utilise pas le tube. J'ai pas acheté le tube. OK? C'est juste la lotion et le sérum. Voilà. Ça sent très bon. Clair, vraiment ça sent très bon. Alors, à mon avis, les bonnes lotions, c'est les lotions du Nigeria avec les ingrédients au top. Ok, ils ont pas mal de bonnes lotions qui contiennent les ingrédients au top et les ingrédients bien dosés dans chaque bouteille. C'est pas comme ceux de la Côte d'Ivoire qui sont un peu au-delà, ok, un peu plus de des acides, beaucoup des acides dedans qui peut-être qui ne sont pas dosés, je sais pas quoi, ou c'est les drogues ou les kojic qui dépassent là-bas, je ne comprends pas et tout ça. Et vous appliquez ça agresse la peau, mais ça c'est une lotion vraiment très doux à la peau, très hydratante, ok. Et pour ma part, comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas besoin des mélanges. Quand je dis des mélanges, les gens
sont confuses, genre, ok, pourquoi elle dit elle ne fait pas les mélanges? Je ne fais pas les mélanges parce que ce que vous faites là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez la lotion là et vous allez prendre la crème, je ne sais pas, de bébé et maman, et vous partez prendre la crème de Fashion Fair, vous venez, vous ajoutez dedans, ok? Vous appuyez dedans, vous mélangez, vous mélangez, vous prenez l'ambi, vous ajoutez et vous prenez le sérum de comment vous appelez ça, de Abidjanaise, vous mettez dedans pour gagner beaucoup de teintes. Moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Moi, j'ai un savon blanchissant, une lotion de bonne qualité qui contient de bons ingrédients. Pour moi, ça suffit. À la rigueur, ça peut arriver, mais c'est des cas rares que j'utilise les sérums. Ok, ça peut arriver. Ça peut arriver, je peux mettre du sérum, mais c'est un peu rare. Je mets plutôt l'huile exfoliante de alpha hydroxyacide. Voilà. Donc, ma chérie, si tu n'as pas encore trouvé la lotion, voici la lotion blanchissante à la papaye. Et vous savez quoi? La papaye actuellement est au top. Si tu as une lotion qui ne contient pas la papaye, ah, donc toi, tu n'auras pas un très joli teint. Actuellement, l'extrait de papaye, c'est à la mode. On le trouve dans le savon, on le trouve dans les lotions. Même quand je fais comme ça, c'est-à-dire ça donne l'odeur du parfait qui est cher. OK? J'aime cette lotion, non. Les bonnes lotions, checker les lotions de la pharmacie, je sais pas, les cosmétiques de la Nigeria, ils font de bonnes lotions avec de bons ingrédients, ok, bien dosés. C'est ce que j'ai remarqué. La lotion qui vient de le laboratoire des Nigériens, ça, c'est différent de celui qui vient de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun, ok. Le Cameroun fait un peu mieux par rapport à la Côte d'Ivoire. C'est la vérité. OK? Celui-là, vraiment, je vous le conseille. Pour la personne qui n'a pas encore trouvé une lotion, si tu n'as pas encore trouvé, je répète, si tu n'as pas encore trouvé une lotion, va t'acheter Kojic Clair aux extraits de papaye. C'est une très bonne lotion. Ça tient bien à la peau. Ça sent très bon. Et si tu veux beaucoup de shade, tu ajoutes le son sérum, ok? Mais sois sûr de te laver avec un savon blanchissant. Je reviendrai pour faire une collection de savons blanchissants que tu peux trouver facilement sur le marché. Et les savons qui ne demandent pas de mélange. Ok? Alors, j'espère que ça va aider une de mes mamans qui est à la recherche d'une lotion, ou peut-être la lotion que tu utilisais, ça a capoté, soit disant que ça ne marche pas, que toujours ça ne marche pas. Voici une lotion qui pourra t'aider. OK? Voici une lotion qui pourra t'aider. Ça sent très bon. Mais très bon. C'est vraiment très, ça sent. Voici son sérum. OK? J'ai pas son tube. Mais il y a son tube là-bas. Si tu vas aller acheter son tube, c'est ta décision. Mais en tout cas, moi, je ne fais pas les commentaires sur le tube parce que je suis toujours loin de ce tube-là. OK? Si tu veux acheter le tube et le sérum pour plus de teintes, vas-y. Au bout de 2 semaines, tu viendras me dire merci. OK? Alors, comment faire toute cette bouteille-là pour un sérum? Non. Toute cette bouteille-là, tu auras besoin de 3 sérums. Si tu veux mettre tout dedans, là, tu auras besoin de 3 sérums. OK? Donc, tu vas diviser la lotion en 3 parties et tu mets le sérum dans chaque partie. OK? Mais ne mets pas au même moment. Utilise d'abord une partie. Quand ça va finir, tu ajoutes encore une partie. Quand ça va finir, tu finis les 3e partie et tu verras les résultats. Lave-toi avec un savon blanchissant. Pas avec un savon abracadabra. Tu n'as pas besoin de abracadabra quand tu as un vrai savon blanchissant, parce que ce savon blanchissant là, ça exfolie la peau. Chaque jour que tu te laves, tu verras toi-même, il y a une saleté qui va quitter ta peau et tu sortiras de ton baignoire avec une peau bien propre,
bien saine, bien préparée pour recevoir la lotion là. Ok? Et n'oublie pas de te gommer la peau tant de fois que tu peux dans la semaine, 3 ou 4 fois. Arrange-toi de gommer ta peau, fais ton petit gommage, tu verras que tout ira bien. Alors moi, je vous dis de gros bisous. Je vous retrouve peut-être cette semaine pour vous donner une collection de savons blanchissants pour vous aider aussi parce que on est toujours partagé, non? Voilà, si on ne partage pas, alors on fait comment? On est là pour partager. Alors, si tu veux la lotion, viens me contacter sur mon messenger, la cuisine de Louise, ou va sur mon Instagram, écris-moi un petit coucou. Je vais t'envoyer le lien afin que tu puisses acheter la lotion. Alors, je vous dis des gros bisous. On se retrouve sur une autre vidéo. Je mettrai la photo.